de Sevins. Alors aujourd'hui, nouveau test sur le jeu GQ World Soccer Perfect 11. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait un test sur ce jeu. J'avais lancé un match 100% asiatique, à savoir le Japon face à l'Arabie Saoudite. Et c'était les Saoudiens qui l'avaient emporté, mais haut la main, si je puis dire. Bon, alors c'est facile, on va s'intéresser tout de suite à notre match. Alors attendez, parce que là. Il y a vraiment du choix. Là, c'est l'Irak, l'Iran, Corée du Nord, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Japon, on l'a déjà vu. Ah, Cameroun, Nigeria, États-Unis, Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Bulgarie, Roumanie, Belgique, Irlande, Suède, France. Voilà, c'est la Grande-Bretagne, Espagne, Hollande, Italie. Ah, mais il y a pas grand-chose, dites donc. Hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, alors attendez. Essayons de bien choisir. Oh là 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 là. Bon, écoutez, pour pas perdre de temps, on va s'intéresser de suite à un petit match 100% africain. Oui, je sais, j'avais déjà lancé des matchs africains, mais bon. D'ailleurs, les seules équipes africaines qui sont présentes dans ce jeu, c'est le Cameroun et le Nigeria. Mais il n'y a pas d'autres équipes, notamment le Maroc ou la Tunisie ou je sais pas. Bref, il n'y a que cela. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se faire un petit match africain 100% des familles. Allez, parce qu'il n'y a que ça d'intéressant. Voilà, alors. Oui. Ah oui, j'ai laissé l'IA jouer à ma place, pour ceux qui n'auraient pas compris. Oui, j'aime beaucoup laisser l'IA jouer à ma place, parce que j'adore ça. Voilà. Voilà, c'est parti. Ah oui, le jeu est sorti aux alentours de l'année 93-94 sur Super Nintendo. Hein. Ou Super Famicom, comment on appelle ça. Allez, c'est parti pour ce match 100% africain entre le Cameroun et le Nigeria. Et on continue, madame la on... Ben, ça va, franchement, le jeu, ça va. Il est assez classe, il est bien rétro, il est bien vintage, ça va, c'est... Attention! Ouh, joli! Joli arrêt du gardien. Ah oui, bon, les Camerounais qui jouent avec leur couleur traditionnelle, le vert, le rouge et le jaune. Face à eux, les Nigérians qui jouent en blanc et vert. Attention, est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? Et c'est le but! Et ouverture du score des Lions Indomptables. Yahoo! Bon, ça va. Et franchement, les Lions Indomptables, qui est le surnom de l'équipe nationale du Cameroun, n'a pas perdu de sa super. Tant mieux d'ailleurs. C'est reparti. Donc le Cameroun mène 1-0 face au Nigeria. Oh, attention, c'est pas fini. Est-ce que attention, c'est parce que là, oh là 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 là, et les Nigérians qui sont de plus en plus bousculés. Allez, on continue. Ballon récupéré par les Nigérians, récupéré par les Camerounais. Voilà, il force, on continue à forcer. Yanga, Bouma, Lawal, Moses, Oba. On continue, oui. Oh, ça va. Ça va, franchement, le jeu, ça va être assez fluide, ça va. Excusez-moi, je joue au jeu et je l'analyse en même temps. Parce que là, franchement, ça va, il est bien, il est classe, il est potable. Attention! Oula! Oula, belle tentative des Nigérians. Faut qu'ils fassent gaffe pour ne pas se laisser surprendre. Allez, on continue. Alors qu'on se bataille pour posséder le ballon du côté camerounais. Attention, il n'y a pas en jeu! Il n'y a pas en jeu! Est-ce que ça va suffire? Non, ça ne suffira pas! Allez. Allez, on continue.
On a récupéré le ballon du côté camerounais. C'est bon, on gère le match. Récupération des Nigérians. Est-ce que ça. Attention, ça suffit. Est-ce que ça. Attends, oui, c'est bon. Le gardien camerounais a réussi à récupérer le ballon à la dernière minute. Belle passe, une ballon récupéré une fois par les Camerounais. C'est bon, tout va bien. Du coup, tout va très vite, tout va très vite. Attention, est-ce que ça va passer? Et non, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, oui, Omambilic, repris par Lawal du côté nigérian. Attention, oui, est-ce que ça va? Non, c'est. Non. Stoppé net par le gardien. Mais rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Allez, c'est reparti. Et une touche. Touche pour la sélection camerounaise. Nigérienne, pardon, j'écoutais. Pas autant pour moi. Attention, oui, c'est bon, on récupère le ballon. Et nouvelle touche. Nouvelle touche pour les Nigérians. Allez, on continue. Lawal, West. Ikpeba, Lawal, repris par les Camerounais. Moses, Lawal. Donc on est dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Attention, joli arrêt, c'est pas fini. Là c'est bon. Ils ont réussi à récupérer le ballon, les Camerounais. Ça va. Franchement, ils arrivent à gérer. Ils arrivent à gérer. Allez, on continue, on force. Ah là 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 là. J'ai cru qu'il allait marquer, mais non, sans succès. Attention, oula, attention, oula, j'ai bien cliqué. Ah, c'est la fin du match. Je veux dire la fin de la première mi-temps. Bon, bah, une première mi-temps, bah, ma foi, c'est très prometteuse parce que là, pour l'instant, c'est l'équipe nationale du Cameroun qui mène au score 1-0 face à leurs rivaux nigérians. Bon, on se sépare un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Ici, Yaoundé au Cameroun, à Paris. Nous sommes de retour ici à Yaoundé, au Cameroun, pour assister à la deuxième mi-temps de ce match. Opposant, je vous le rappelle, le Cameroun qui met le score 1-0 opposé au Nigeria. Oh, attention! Là, 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 là. Là, visiblement, les Nigérians qui se montrent un petit peu agressifs et qui n'ont pas digéré le but de la première mi-temps. Attention, attention, parce que. Ah, attention! Oui, alors que je vous rappelle que le Cameroun mène 1-0 face au Nigeria. Et les Nigérians qui sont un petit peu revanchards. Hein. T'es sûr? Non, c'est bon. Bon, ça va. Ils se laissent pas faire les Camerounais. C'est toujours une équipe prometteuse, le Cameroun, je vais pas dire. Allez. Mboma. Mboma, repris par Nyonga. Mboma, Moses. Yangi, va-t-il passer? Il passe. On va tout donner du côté des Super Eagles. Est-ce que. Oh, joli arrêt du gardien. Oh, j'ai cru qu'il allait marquer. Mais non. Il ne marquera pas. Et sortie du but, c'est. Enfin, oui, sortie du ballon, ce qui donnerait une touche. Touche pour les Camerounais.
Cameroun, qui, je vous rappelle, mène 1-0, enfin toujours 1-0 face au Nigeria. Attention, 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 parce que là, là, il faut qu'ils restent à la défensive, les Camerounais. Il faut qu'ils restent à la défensive. C'est reparti. Ballon est de nouveau pour les Camerounais. Attention, oui, c'est repris par les Nigérians. Attention, là, 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 là. Et mais c'est fou à quel point les équipes dans ce genre de jeu se donnent à cœur joie pour. Bon, ils se donnent tellement à cœur joie qu'ils se montrent vraiment agressifs. Alors qu'il y a une touche pour les Camerounais, puisqu'il y a un joueur nigérian qui a sorti le ballon. Ah mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler un match de poids lourd entre le Nigeria et le Cameroun, qui est un petit peu le derby de l'Afrique, on va dire. Attention, rouge! Attention, c'est pas fini! Est-ce que... Attention, oh là là là, j'ai cru qu'il allait marquer! Équipe puisse égaliser! Non, mais ça ne suffira pas! Oh, j'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru! Et corner pour les Nigérians, qui étaient à deux doigts de marquer, et qui puisse égaliser. Alors espérons qu'ils vont avoir plus de chance. Récupéré de justesse par les Camerounais. Allez, on continue. Facile, les Camerounais qui sont les Camerounais qui ont le ballon. Ouh, attention, et l'autre qui s'est fait bousculer. Et corner, cette fois-ci du côté Camerounais. Bon, sinon je trouve les graphismes de ce jeu, bah, ma foi, assez corrects. Bon, qui n'ont pas pris une ride. Bon, en même temps, c'est un jeu 16 bits, hein. Allez, le ballon est repris par les Nigérians qui ont chippé le ballon. Repris une nouvelle fois par les Camerounais. Omambilik. Repris une nouvelle fois par les Nigérians. Lawal. Moses. Ikpeba. Moses. Ikpeba toujours. Repris par les Camerounais. Yanga. Yanga. Yandi. Ikpeba. Allez, on continue, on se donne à fond, on va tout donner. On va essayer de conserver l'avantage du côté camerounais. Allez, on continue, oui. Il passe, va-t-il marquer? Non, il marquera pas. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'était vraiment une sacrée belle tentative. Bon, pas de panique, c'est juste. Ils vont revenir au score. Je parle des Nigérians. Enfin, si, bien sûr, s'ils arrivent à revenir au score. Alors qu'il y a une nouvelle touche pour les Camerounais. Allez, on continue à faire des passes. On ne lâche rien du côté camerounais. On va tout donner, on va tout donner. On va tout donner dans ce jeu. Alors, est de nouveau pour les Nigérians. Alors qu'on s'approche à quelques minutes de la fin de ce match. Et pour l'instant, les Camerounais conservent l'avantage. Oh là, attention, parce que là c'est, là, ils vont tout donner les. Les deux équipes se donnent vraiment à cœur joie. Bon, je l'ai déjà dit, mais bon. Allez, on fait durer un petit peu plus le suspense. Allez, on continue, oui. C'est parfait, oui. Omanbilik. Omanbilik. Va-t-il marquer? Attention, non, non. Il ne marquera pas. Même dans ses dernières occasions, il ne marquera pas. Et c'est la fin du match. Eh ben, belle victoire. Belle victoire donc des Lions indomptables qui l'emportent.
mais d'une facilité déconcertante face à une équipe du Nigeria qui malencontreusement n'était pas dans un grand jour. Mais bon, au moins, ils ont donné le meilleur de eux-mêmes. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc le deuxième test sur le jeu JQ World Soccer Perfect Eleven, sorti aux alentours de l'année 80. 13-94 sur Super NES, édité par Konami. J'espère que ça vous a plu. Alors je vous rappelle le score, victoire du Cameroun face au Nigeria 1-0. Belle victoire des Lions Indomptables. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici à salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici Yaoundé au Cameroun, à ou Paris. Oh et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.